Ouais, salut mes beards, c'est Parano, on se retrouve pour ce tant attendu troisième épisode sur Watch Dogs. J'ai eu pas mal de galères, donc je l'expliquerai je pense tout le long de... quoi, tout le long de la série, ça arrive, ce qui est tout le long de la série, donc j'ai eu pas mal de galères. Je devais commencer le Let's Play sur PS4. Et puis il s'avère que j'ai eu des petits soucis, du coup j'ai dû le prendre sur PC, donc les deux premiers épisodes que vous avez vus, je les ai tournés sur PC. En fait, tout simplement parce qu'en fait ma version PS4, je pense qu'elle a été tout simplement volée. Il n'y a pas d'autre mot, hein. J'ai jamais reçu le colis. À Marseille c'est comme ça, les mecs c'est des chacals, ils voient un colis ou je sais pas quoi, ça se casse même pas la tête, ils ouvrent le colis, ils voient que c'est un jeu ou un truc comme ça, ils le prennent et puis basta quoi. Du coup, grosse galère, j'ai mis plus de temps à voir le jeu. D'ailleurs, je remercie encore Alex Guenounou, le community manager FR, de m'avoir envoyé un code pour activer directement le jeu via ma PS4. Du coup, on se retrouve sur PS4. Donc, les deux premiers épisodes ont été tournés sur PC et celui-ci, et puis la suite de l'aventure sera tournée sur PS4. Donc, j'ai eu deux trois petites galères, comme je vous l'ai dit. Voilà, Changer ma vie entière. j'espère que là tout se passera bien. Là, on se retrouve sur PS4. C'est vrai qu'il est plutôt joli sur console aussi, c'est un truc de fou. Donc on va essayer de pas faire de la merde. Non, on reprend le let's play. Ça fait du bien. Donc j'ai eu une petite galère aussi, en plus de celle que j'avais eue avec le... comment dire? Avec le jeu qui s'est fait voler, c'est que la version en fait... Qu'est-ce qui se passe? La version en fait qu'on télécharge sur console, en fait il est tellement surchargé le réseau je pense et tout que j'ai mis à peu près presque 24 heures. Je vais faire exploser mais C'est pas possible. Ces trucs sont... Je le savais. Donc je commence l'épisode, je fais de la merde. Ok, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, donc j'espère que vous allez bien. Après tous ces moments un petit peu de galère, de solitude, c'est bon, enfin on y est. Donc cet épisode 3 sur Watch Dog. Alors maintenant tout va bien se passer, je l'espère, et puis on pourra record la suite au fur et à mesure, petit à petit quoi. Donc juste histoire que je me réhabitue un petit peu avec les touches et tout ça. J'ai dû aussi recommencer le jeu sur PS4. Bon, j'étais pas très 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 loin. Oh, lui il monte carrément sur le camion et tout. Genre en mode déterminé. Lui il comprend pas, il dit qu'est-ce qui se passe. Il passe en voiture avec son Range Rover Evoque Imitation. Oula, je vais y avancer. Oh! Moi qui voulais la faire discret, ben voilà. Oh, et puis pour viser sur PS4, mordeur. Donne-moi ton arme, bébé. Oh. Mais pourquoi il vise le camion, frère? Commence pas comme ça. Ah, je commence l'épisode, je me fais des hauts. Oh là là. Voilà un épisode qui commence plutôt bien. Lui va me rendre fou direct, je vais lui foncer dedans. Oh non. Voilà, allez. Tout pour charger déjà. Ah, je fais bordel, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je m'en fous. Franchement, je vais pas vous mentir. Je travaille beaucoup en ce moment. Là, avec toutes ces galères de Watch Dogs et tout ça, ça me rend un petit peu taré là. Donc, les trucs infiltration, vas-y, casse-toi 2 secondes là. Avancez un petit peu, gros. Ça sert à rien que je fasse des crashs. Il dit que j'aurais pu être médecin, il agit. Et lui, il est con, laisse pas dépasser ta tête, gros. C'est pas possible. Putain, mec!
Elle est sur ta tête. Oh, t'es sérieux? Truc de fou, le mec, quoi. Il a fait TB. Là, on se protège tous les deux sur le même poteau. Voilà, c'est bon. Vous êtes content? Et lui, regarde comme il est mort. Mort de rire. Bon, j'ai fait TB. Voilà, je suis désolé. L'épisode, il commence plutôt mal. Je suis désolé, désolé, désolé. La porte. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parie. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour perturber l'équipement des gardes. Quel genre d'équipement? N'importe lequel. Téléphone, oreillette, explosif. Aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électronique. Ok. J'essaierai ça. Tu pourrais scanner les bureaux? J'ai besoin d'un laptop non sécurisé. J'en tiens un. Bradley Coughlin. Oh, oh non. C'est le directeur de la sécurité. Comme par hasard. Une fois le piratage lancé, tâche de faire vite. Tu traces l'appel et tu sors. La sécurité va vite détecter l'intrusion. T'inquiète pas pour moi. Alors peut-être que des gens se demandent pourquoi je joue sur PS4 et pourquoi je ne recorde pas en 1080p, tout simplement parce que le jeu n'est pas en 1080p et je ne vais pas me prendre la tête à essayer de recorder un faux 1080p. Il est upscalé, je crois, à 900 et quelques p, donc voilà, je ne vais pas me prendre la tête sur PS4. Hein. Sur Xbox, je crois que c'est du 720p, je crois, maximum, ou je sais pas, je me suis pas renseigné sur Xbox. Ok. Bon. Où il va, lui? Y'a pas un qui a une carte ou un truc de, d'accès ou. Donc lui il a carrément une caméra sur lui, le bouff. Oh, boy. Attends, il a. Attends, le mec là qui est rentré là, il est. Il va pas à l'endroit où je veux là? Merde. Oh la dinde. Je crois que lui il va où? Oh merde, il est rentré! Fais demi-tour, ma gueule! C'est là! C'est juste sur la gauche, je crois. Ah, mais je crois qu'il faut un code d'accès, non? Il faut une clé ou. Ah, ouais, voilà, le garde disposant du. D'accord. Donc, il est pas là. On peut appeler les renforts. Ouhou. Sans là, il va falloir le faire discretos. Donc là, il y a personne. Ouh, l'imbécile qui l'a clé. Hein. Oh merde. Ah, peut-être lui là-bas. Non, je les ai tous spot. C'est pas possible. Ah ben voilà. Ok, maintenant il faut que je remonte. Y'a moyen ou pas? Maintenant que je vais vouloir remonter, ça va pas marcher. Oh là 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 là. Vas-y, mourez. Faut juste que tu te tournes un petit peu. Oh yes, il y va. Oh. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, petit système de piratage. Non. Alors avant de commencer, enfin je crois que c'est comme ça que ça se passe. Non. Ok. Et non, je suis bête. Ah bah oui. Bah faut.
Alors attends. Celui-là, je pense qu'il va faire un circuit fermé, non? Non, au contraire, faut le tourner dans l'autre sens. Voilà, puis celui-là, faire tourner comme ça. Par contre, il y a un truc qui va pas là. Il se passe quoi dans l'espace là? Pourquoi je fais de la merde? Puisque je vous dis que c'est pas une simple pub, j'ai un globe oculaire gigantesque là, qui me bloque toute la... Oh merde! Quelqu'un a piraté mon PC! Oh putain, verrouiller les issues, faut le retrouver! Cherchez par là! C'est bon, t'es connecté. T'arrives à tracer l'appel? Attends, je lance la recherche. Oh, merde! Les flics sont en route. Ils utilisent un scan qui va être super difficile à éviter. Faut que tu te tires de là. Les flics me recherchent. Je vais pas pouvoir m'échapper. Oh putain! Tu aurais pas un truc pour brouiller les scans? Attends. Oui, je crois que oui. Je l'ai. Je t'envoie ça tout de suite. Vite, toi! Il est où le brouillage? Mais j'ai pas de véhicule, mon vieux! Allez, bouge! Non! Oh bordel, ça va le faire. Ouh. Oh le choc frontal. Oh là là, ça va pas le faire. J'ai pris une daube en plus les gars. Oh là là, je vais me faire péter. Faut que je me casse de là. Ça serait cool si j'arrive pas à me faire griller les gars. Je vais pas vous mentir. Laissez-moi partir. Oh putain. Ah j'aurais dû voler cette voiture, ah, quel con. Eh ben vas-y leur brouillage là, c'est un truc de fou. Oh là là, il me colle. J'ai dû en faire sauter un deuxième, hein. Wow! Oh, oh, oh. Frère, ok. Bon, mais je... Mort de rire, gros, la cascade de fou, frère. Allez, c'est bon, je me suis taillé. Oh mon Dieu, non! Tu sais, hein? Quoi de neuf? T'as localisé l'appel? Marre de jouer au chat et à la souris. Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loop. Pas trop tôt. Sois prudent, Aiden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors on va surtout pas le décevoir. Ok, on y va. Bon, franchement, je m'en sors plutôt bien, même si je fais de la merde. C'est ça qui est cool, franchement, dans ce jeu. Je montrerai par la suite, c'est quoi ça? Escort criminel? Non, je me sens pas, là. Franchement... Pas tout de suite, là. Oh bien le petit truc là. C'est quoi ce truc? Boum. J'avoue c'est stylé en fait. Mais j'ai pas encore les choses nécessaires en fait, les armes nécessaires. C'est quoi ça? Système des... Ah d'accord, ok. Le contrôle du district. Est-ce que je vais le faire de suite là? Non, je pense pas, non, je continue la mission, je ferai les trucs tranquillement ou... Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, ils vont nous y mener. Oulalalala. Le truc de crime détecté. Ah, par contre, ça m'intéresse. En plus, c'est juste là. Attends, je dis il est juste là, mais... Ah d'accord, je suis déjà dans le truc de... Aïe, j'espère qu'on va pas se faire péter à cause de moi, là, j'ai déclenché la mission. Vite.
accro au sexe, bordel. Eh hey, vas-y. T'as ce que je t'ai demandé ou quoi? J'ai besoin d'un jour de plus. Un seul. Mon cul, ouais. Putain, j'en ai marre de ta sale gueule. Laissez-moi. Je te conseille de pas faire ça. Dégage de là, fils de pute. J'ai des enfants. Putain, j'ai eu du cul, quoi. J'ai vraiment eu du cul pour le coup là, je t'en mets nez à nez avec lui, il a failli le défoncer. Ouh, bon ça va. Oh il s'en est passé des choses en 15 minutes de vidéo déjà là, j'ai fait bordel. C'est un truc de malade. Allez hop. Merde. Ah c'est sûr, si je fonce sur le camion ça va pas le faire. Donc la maniabilité encore une fois, que ce soit sur Xbox, que ce soit sur PC, PS4, ça change pas avec une manette. C'est vrai que les véhicules, je l'avais dit dans les précédentes vidéos, la maniabilité, chaque véhicule en fait a sa, ben, a sa conduite un peu spéciale. C'est vrai que les véhicules un peu plus rapides et tout sont vraiment vraiment bizarres à gérer, du moins dans les virages et tout. Après c'est un coup à prendre je pense. Mais sinon, faut pas non plus rouler au taquet comme je fais moi H24 là. Ça, c'est sûr que voilà, même quand je roule doucement, j'arrive pas à tourner. Hop là, hop là, hop là, hop là. Qu'est-ce qu'il y a toi, bitches? Ce mec menace ma famille et maintenant il veut qu'on se rencontre. Il a su exactement comment attirer mon attention. D'accord, je vais jouer le jeu. Ok, on y va. Allez, monte. Ok. Les flux sont fractionnés. Il doit y avoir deux terminaux CityOS. Donc le premier est là-haut. Est-ce que je peux tourner? Yes. Donc tout ça je connais, je l'ai déjà fait les gars. Hein. Pas de surprise pour moi. Après pour vous, j'imagine que c'est nouveau. Moi je l'ai déjà fait. Donc je sais où se trouve le système. Après si vous êtes un petit peu en galère, que vous savez pas où se trouve le système, vous avez juste à suivre, vous voyez le fil blanc là, ce sorte d'acheminement électrique là. Donc faut suivre le câble jusqu'à ce qu'il vous mène au boîtier. Donc là en l'occurrence le boîtier est tout au fond, mais je peux pas le faire parce qu'il y a l'ascenseur qui me bloque. Donc ce que je vais faire c'est prendre la caméra, faire descendre ce fouchu ascenseur qui me bloque. Vous allez voir que la barre elle va tomber. Hop, voilà, et en tombant après directement vous pouvez déverrouiller. Donc voilà, vite c'est bien fait, même si au début, je vais pas vous mentir, les premiers CityOS qu'on débloque, quoi, c'est un petit peu galère, ça fait un petit peu dans le même délire que Far Cry quand vous voulez débloquer les tours dans Far Cry, ou ouais je pense que c'est ça en fait, hein, c'est juste, vous devez trouver deux systèmes pour déverrouiller le boîtier, le pirater ensuite, par la suite, donc pour les CityOS, qui se trouvent directement, ben voilà, ils sont là en fait. C'est ces boîtiers, ces systèmes CityOS à débloquer qui vous donnent, qui vous mettent plein de petits points d'accès et tout ça. Je pense que j'en ferai après le let's play. Donc ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, je pense que je vais le préciser tout de suite. Pour tout ce qui est mission secondaire, mini-jeux, etc., etc. Je pense carrément le faire après le let's play. Je vais me contenter d'abord d'avancer sur le let's play. On va faire la trame principale et après par la suite quand j'aurai fini la trame principale je commencerai à m'amuser un petit peu à droite à gauche sur tous les systèmes CityOS, sur toutes les missions secondaires, les petites missions annexes, essayer de débloquer un petit peu tout ce qu'on peut avoir sur le jeu, histoire d'avoir peut-être le platine sur Watch Dogs. Après on verra
On verra comment ça se présente, mais bon voilà, je me concentre vraiment plus sur le let's play, sachant que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à mon collègue X qui me dit déjà « Ouais, j'en suis à l'acte 2, à l'acte 3, à l'acte 6, à l'acte 10 », non je rigole, il y a 5 actes, mais c'est vrai que voilà, je comptais faire le jeu direct dans sa totalité dès les premiers jours, vous me connaissez, j'enchaîne souvent les let's play, là c'est vrai que ça fait 2-3 jours que j'ai rien fait, à cause de cette version PS4 que je me suis fait voler dans mon colis, je me suis fait voler mon colis, pardon. Alors, moi je vais aller là. Pourquoi tu veux pas bébé? Ça marche si je fais ça? Oui, mais ça marche que si je fais ça en fait. Ah, peut-être comme ça, voilà. Ok, maintenant je vais pouvoir le tourner. Voilà. Oh my fucking god. Alors, ici c'est bien, ici c'est bien. C'est quoi le souci? Le souci c'est qu'il faut que ça monte là et que ça chemine là. Pourquoi ça veut pas? Ok. Ok, cette barre, faut que je la mette droite et que je remette le chemin en sens inverse ou bien? Ça a l'air de fonctionner par ici, par là aussi. Il manque juste celui-là qui veut pas. Yes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bellwether. Je savais que tu me trouverais. T'as toujours adoré les mystères. Alors, Eden, comment ça va? Damien Briggs. Mais à quoi il joue? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu devrais te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompu. Alors si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur? On s'est pas parlé depuis... le Merlot. Je crois qu'on a une nouvelle cible pour vous. Laissez tomber votre taf en cours et concentrez-vous là-dessus. Ok. Déjà le snipers. Bye bye baby. TB en fait, je suis tout pété là. Oh quoi, je l'ai pas vu lui. On va monter toutes les protections au cas où on s'est pété. Il est où lui? Mais moi aussi je te vois pas, chacal. Ah, il est là. C'est bon, y'a plus de dégâts? C'est pas possible. Ah oui, y'a un mec, mais il a l'air d'être tout au fond là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, le mec? Oh là là, et lui non?
Voilà, je me disais aussi. Bon, ça y est, c'est fini maintenant la rigolade. Il est con quoi, lui, il s'est explosé tout seul, je crois. Blackout, oh ça tue. Comment je fais pour les grenades? Attention. Bon, j'ai fait TB. Ouais d'accord mec, je viens de décimer toute ta team là et... Vas-y vite, on se casse. Non, annule. Oh, j'ai fait TB. Okay, Damien, on va discuter. Comme ça, tue le blackout, c'est un truc de malade, d'un coup tout dans le noir et tout comme ça. Et grimpe, tu peux pas grimper sur le véhicule? Ah, t'es pas sérieux, gros. J'ai ma voiture qui est juste derrière, frère. Attends, on va faire un truc. Elle est toujours là? Elle est même plus là en plus. Du coup, ça m'intrigue. C'est quoi ce truc? Ah, d'accord, c'est le système SteelOS en question. Je vais juste le montrer. Non, je le montrerai après. C'est quoi ça? Fabrication, éléments explosifs. Ah oui, carrément, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui. Ça, je veux direct. Vous avez vu comment elle a patiné la voiture? Un truc de fou. Est-ce que c'est le temps, en fait, qui fait que la voiture glisse un peu plus? Je ne sais pas. Ça va. Va apprendre à conduire. Espèce de chacal, laisse-moi tranquille. Donc, j'aimerais bien voir ce que je peux fabriquer. Ben, rien. Il est où le magasin en question? Mais où est-il? C'est ça? Ok. Let's rock. Ah, sur la version PS4, j'avais pas vu sa tête. Il a une meilleure tête hein, que sur mon PC. Ah oui, quand même. D'accord, elle a disparu. Ah, meilleure tête. J'aime beaucoup. Quand j'aime beaucoup, vous savez que je le faisais tourner en moyen sur mon PC, donc ouais. Ouais, j'achète tout, moi, je suis comme ça. Je m'en fous, j'achète tout. C'est pas comme s'il manquait de la thune. J'aime bien négocier avec vous. Ah, carrément. Vous avez été refait là. Donc 10. Ah, par contre, blackout, c'est quoi? Ah, c'est des objets que je peux pas. Brouillage. Ok. Oh, j'entends une chanson là, c'est où? Je l'avais sur ma radio. Mais je peux pas aller sur l'autoradio? Comment ça se fait que je peux pas la prendre? Est-ce que c'est... Attendez, je vais regarder juste un truc. Je comprends pas pourquoi je peux pas prendre le morceau. D'habitude, je peux le prendre. Ma foi, bon, c'est chelou, c'est pas grave.
Donc ce que j'ai fait, je l'avais expliqué en fait récemment, en fait, lecture automatique de la musique à bord d'un véhicule, je l'ai désactivé tout simplement pour les droits d'auteur. Parce que j'en ai marre de me faire à chaque fois spot pour des droits d'auteur qui n'ont pas lieu d'être. Ça m'était arrivé sur un let's play de Bioshock, je crois, ouais, le 2, si je dis pas de bêtises. J'avais eu un droit d'auteur. Pour ceux qui connaissent Bioshock, ça utilise beaucoup des musiques des années 70, 80, même voire. Non, c'est même pas si je dis des conneries, c'est des années 40 ou des trucs comme ça. Et genre, il s'avère que j'ai eu un droit d'auteur sur une musique des années 40 ou des années 50, un truc de fou quoi, j'ai jamais vu ça. J'ai fait putain, YouTube c'est vraiment un truc de malade quand même, les mecs. Entre ça et les traitements des vidéos qui mettent juste 24 heures presque pour une vidéo, c'est. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Du coup, je peux en construire encore ? Ah non. J'ai cru, hein ? Vous avez vu, hein ? J'ai tarpin cru. Non, non, qu'est-ce que tu fais avec ton gun ? Pose ton gun. Ça alors, comme il est malin. C'est ma tournée. Salut, Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à Staré d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien ? T'es toujours aussi sinistre, Ethan. Putain. Jamais tu te détends, toi. Hein ? Je veux retrouver mon partenaire. Moi sur l'ordre, et toi, sur le terrain pour le travail d'homme. Je suis là pour t'aider. On veut la même chose ? Des réponses. Qui nous a attaqués ? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. T'en fous. Donc, je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. Mon cul. C'est toi qui as lâché un plan d'or. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop mignon. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin, il a énervé les méchants. Et moi alors ? Quoi, toi ? Tu crois être le seul à souffrir ? Ils m'ont estropié ! Ils m'ont tout pris ! Tu sais si... C'est ça qui me suit. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais. Je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi... J'ai pas besoin de toi. T'en veux pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Au début, je l'admirais, Damien. Il m'a appris à identifier les failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après Lena, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. C'est vrai que le rendu sur PS4 est très beau. Hein. Personnellement, je suis bluffé, hein, mais c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais un petit peu augmenter. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien. C'est quoi ça ? C'est la batterie ? Oh yeah ! Avoir une barre supplémentaire de batterie, ça peut toujours être utile. Les ponts, ouais, pas pour l'instant. J'en vois pas l'utilité. Par contre, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment stylé. Sachant que c'est combien la batterie ? C'est 3 points.
Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Mort de rire. Genre, ça le perturbe. Ah, d'accord, ok, ça envoie les trucs. C'est des Hertz ou un truc comme ça, non? Baisser les Hertz route chère, d'accord. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais opter pour l'hélicoptère. Vous allez comprendre par la suite que. Putain, quand tu vous traques ces chacals, c'est vraiment dur de les semer. Maître d'armes, améliore rapidité là. Ouais, bah pourquoi pas. Allez, c'est parti. Du moins, c'est parti. Nous, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On est déjà à 35 minutes de vidéo. Je pense que je vais juste aller devant l'objectif principal. Ah, mais si je dis pas de bêtises, là il faut que je me rende. Ce souvenir. Ouais, je crois qu'il faut que je me rende au cimetière. Et on va prendre une voiture dont on a du mal à conduire pour rigoler, quoi. Weg, weg, weg. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi à chaque fois je dis cette phrase, oh là là, et en plus je viens de me faire spot par les flics, c'est très amusant. On va se faire niquer. Pourquoi je fais que de dire weg, weg, weg? C'est une chanson qui a sorti certains, oulala, honte à moi, Jason Derulo, une personne que ma femme écoute, et pour le coup il a fait un petit morceau avec Snoop Dogg qui s'appelle Wiggle, et franchement je vous conseille de l'écouter parce que ce petit Wiggle, 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 ça reste dans la tête, et depuis que je l'ai écouté en fait, ben, j'ai la musique tout le temps dans le crâne, même si je suis pas fan de l'artiste en général. Mais ce morceau je trouve qu'il passe plutôt bien, genre en mode détente, vous êtes en train de boire un coup avec des potes, le son à fond et tout. Et je trouve que de temps en temps, voilà, c'est... je trouve qu'il passe bien, voilà, il passe crème. Donc je vous le conseille, Jason Derulo, feat Snoop Dogg, Wiggle, W-I-G-G-L-E. Et je vais me prendre une putain de bagnole dans la tête, quoi. Casse-toi. Donc voilà, maintenant, vous savez pourquoi. Et si vous m'entendez aussi dire de temps en temps pam pam clic boom, ça c'est une dédicace à tous ceux qui ont regardé mon let's play sur Wolfenstein. J'ai bien aimé la petite phase où il sort l'arme et qui lui dit pam pam clic boom. Oh putain, je fais TB en voiture, mais c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça en Marseille? Genre sortir un bazooka, tirer sur des gens, pirater des trucs, oh là là. Serait énervé comme système là. Par contre, il pleut un petit peu là à Chicago. Est-ce qu'on le délire là? Il s'est pas arrêté de pleuvoir depuis tout à l'heure. Les gens ils regardent et disent mais le mec il sait pas conduire, ça a abusé. Je vais pas t'écraser déjà que je sors du cimetière gros. Si j'ai pas envie de t'envoyer dans la tombe. Ça va, tranquille. Donc je pense qu'on s'en ira juste après cette cinématique qui est pas très très longue. Donc on va voir la petite, la nièce. RIP. Tu sais qu'il laisse tout le temps des fleurs? Non. Cette petite a beaucoup d'amis. Avait. Il faut que je passe à autre chose. Je sais. On a tous vécu un vrai cauchemar, mais... Il faut vraiment que t'arrêtes de remuer tout ça. Je remue rien du tout. Hayden. Je sais ce que tu fais. Je sais que tu recherches les gens responsables de tout ça. Mais tout ce que tu vas obtenir, c'est que tu vas encore nous mettre en danger. Vous n'êtes pas en danger. Puisque je vous protège. Non, mais tu t'entends parler. Hayden, pourquoi est-ce que t'arrêtes pas? Parce que... Il faut que je sache.
Tu es mon frère. Et je t'aime. Mais Jackson, c'est toute ma vie. J'hésiterai pas une seule seconde à t'abandonner pour le protéger. Promets-moi que tu vas arrêter. Tu peux plus rien pour Lena. Je l'ai tué. Non, c'est faux. Je t'en veux pas. Mais promets-moi que tu vas t'arrêter, s'il te plaît. Promets-le-moi, au nom de notre famille. Je te le promets. Elle a peut-être raison. Lena est morte et je peux rien y changer. Mais comment je peux oublier tout ça? Je crois que t'as un problème. Il y a un mec du stade qui a survécu. S'il se met à parler, tu seras identifié. Il a survécu? Comment c'est possible? Bah, j'imagine qu'il est pas mort. Mais t'inquiète, hein, j'ai un plan. Retrouve-moi à Gorman Heights, sur le toit. Ok, donc nous on va s'arrêter sur cette petite scène émouvante devant la tombe de Lena Pierce, notre petite nièce. On va gentiment rejoindre Georgie pour aller voir cette fameuse personne qui n'est pas morte. Ok, et un petit truc en... Oh, planque de gang. Planque de gang. Miam, 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 miam. Je pense que j'allais me les faire vite fait. Donc écoutez les gars, nous on s'arrête ici pour ce troisième épisode. On se retrouve pour la suite très 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 prochainement sur la NoQ. Merci encore d'avoir regardé cet épisode et merci pour votre patience. Donc désolé encore, hein, je peux pas gérer les mecs qui me volent. Salut mec, tu pourrais essayer de pas voler mon colis s'il te plaît? Donc passez une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à très très bientôt, c'était Parano. Allez, peace. D'après les sondages, le maire doit sa victoire au fait d'avoir favorisé Tais-toi toi.